Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour acheter des actions ou tout autre produit financier en bourse, il faut passer des ordres. Ils s'ajoutent à l'ensemble des ordres déjà passés, dont les transactions n'ont pas encore été conclues, et viennent grossir le carnet d'ordres. Celui-ci se vide au fur et à mesure que le prix du vendeur correspond au prix de l'acheteur, c'est la loi de l'offre et la demande. Il existe différents types d'ordres, et l'ordre stop qui est méconnu, est pourtant gratuit et très efficace pour réduire ses pertes et maximiser ses gains. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre guide offert, les clés de la réussite en bourse dont le lien se trouve dans la description. Définition. Un ordre stop ou ordre à seuil de déclenchement spécifique, est un ordre de bourse conditionnel. Tout d'abord, voici les spécificités propres à tous les ordres de bourse. Ils indiquent la nature de la position et son marché, actions, forex, matières premières, taux. Ils indiquent la quantité souhaitée. Ils indiquent le sens de l'opération souhaitée, achat ou vente. Des ordres conditionnels peuvent être positionnés et ils précisent davantage les souhaits de l'investisseur. Ils précisent la date limite. Ils précisent le prix limite d'exécution ou de clôture. La spécificité d'un ordre stop est qu'il ne se déclenche que lorsque le cours franchit un seuil prédéterminé. Il est donc utilisé pour vendre des positions, à découvert ou achetées précédemment, sur un marché. Comment utiliser un ordre stop? Il existe deux types d'ordres stop. Premièrement, pour protéger une plus-value. Lorsqu'on a acheté un actif dont le cours a augmenté, et que l'on souhaite préserver ses bénéfices, on positionne un ordre stop au niveau du cours où l'on souhaite empocher ses bénéfices. Si le cours dépasse le niveau de l'ordre stop, le nombre d'actifs souhaités, ou la totalité, est alors vendu. Deuxièmement, en prévision d'une baisse des cours. Lorsqu'un cours touche un plafond, tracé grâce au point pivot ou au support et résistance, on peut espérer un inversement du sens des cours, donc une chute. En positionnant un ordre stop, on vend à découvert un actif que l'on ne possède pas en espérant que le cours descende, et qu'on puisse racheter cet actif moins cher par la suite. Si un cours oscille régulièrement entre ses supports et ses résistances, il peut être intéressant de placer plusieurs ordres stop proches de ses limites afin de maximiser ses gains. Ainsi, lorsque le cours d'un actif se rapproche des supports ou des résistances, l'ordre va permettre d'acheter ou de vendre automatiquement la quantité souhaitée en fonction du niveau des cours de l'actif financier. Un ordre stop est donc utilisé pour vendre un actif financier automatiquement à un plafond défini et une date souhaitée. Qu'est-ce qu'un ordre stop glissant ou suiveur? Le stop glissant est un ordre stop qui va se déplacer si le cours d'un actif va dans la direction que l'on a choisie, et se bloque au niveau atteint en cas de retournement. Le stop glissant reste à la limite définie entre le cours de l'actif et la perte éventuelle acceptée. Exemple. Prenons comme exemple l'action X qui vaut 100 euros. Je pense que son prix va augmenter, donc je place un ordre stop loss à 95 euros. Cela signifie que sur cette action je suis prêt à perdre 5 euros. Admettons que j'ai raison et que le cours augmente. Dans ce cas, si le cours de l'action X passe à 107 euros, alors mon ordre stop loss sera fixé automatiquement à 101 euros et 65 centimes. Si par la suite il redescend, mon ordre stop qui est passé de 95 euros à 101 euros et 65 centimes ne bougera pas. Ainsi, ma position se coupera si le cours redescend à 101 euros et 65 centimes et j'aurai quand même gagné 1 euro et 65 centimes au lieu d'en perdre 5 si le cours redescend à ce niveau-là. Si le cours baisse mais n'atteint pas le stop à 101 euros et 65 centimes et qu'il repart à la hausse, mon ordre stop glissant continuera à monter au-delà de 101 euros et 65 centimes et suivra le cours tout en se bloquant à chaque nouvelle baisse. Il s'agit donc d'un excellent moyen de sécuriser ses gains et de limiter ses pertes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.